C'est un marché en pleine expansion. La vente de véhicules électriques en France progresse de 50% tous les ans. 27 000 bornes de charge ont été installées en 2015 et cette tendance s'accélère avec les nouvelles aides de l'État. Les particuliers bénéficient déjà de 30% de crédit d'impôt pour l'installation d'une borne électrique chez eux. Depuis février 2016, les personnes qui résident en copropriété peuvent également bénéficier des C2E, les certificats d'économie d'énergie à hauteur de 50% du montant total de l'installation. Les entreprises sont également soutenues à hauteur de 40% et à cela peuvent s'ajouter des aides locales en fonction du lieu d'habitation ou d'implantation de l'entreprise. Ces nouvelles mesures soutenues par le ministère de l'Écologie interviennent dans le cadre du programme Advenir porté par l'association Avair France. Elles doivent permettre de rendre accessible la mobilité électrique à tous en facilitant l'installation des bornes électriques. Un exemple. Si le coût d'une borne électrique et son installation s'élève à 1 400 €, une personne résidant sur Paris en copropriété sera aidée à hauteur de 50% à travers les C2E. Sur les 700 € restants, la ville de Paris prendra à sa charge 50% avec un plafond de 500 €. Au final, sur les 350 € restants, le client devra débourser 290 € après déduction du montant du crédit d'impôt. Il faut savoir que le droit à la prise est applicable pour les copropriétés. Concrètement, le syndic de copropriété n'a pas le droit de s'opposer à la demande d'un résident qui souhaite l'installation d'une borne électrique. Ce droit à la prise s'applique également aux entreprises lorsque la construction n'abrite que des bureaux, s'il y a un propriétaire unique et un seul locataire pour les locaux et le parc de stationnement. En tant qu'installateur, votre mission est aussi d'informer vos clients de leurs droits et des aides dont ils peuvent bénéficier. Ces mesures sont aussi une véritable opportunité pour vous de conquérir de nouveaux marchés avec l'installation de bornes électriques qui vont nécessiter, dans certains cas, des travaux de mise aux normes. N'hésitez pas à consulter le site rexel.fr pour en savoir plus.